Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo annonce. Alors voilà, j'ai longuement réfléchi, vous l'avez peut-être remarqué, mais depuis 2-3 jours, je n'ai plus de vidéo sur la chaîne parce que ça devient compliqué pour moi de mettre une vidéo par jour sur la chaîne, tout simplement parce que d'abord, il y a le temps de chargement, parce que effectivement, une vidéo, ça peut être rapide quand c'est des vidéos sur les cartes, bien qu'il faut faire un montage, etc. C'est un petit peu long, mais le plus long chez moi, c'est le chargement, parce que j'ai pas une connexion géniale. Des fois, je mets une vidéo à charger le soir et le matin, quand je me lève, elle n'est pas chargée. S'il y a eu un problème quelconque ou si la vidéo est un petit peu plus lourde que d'autres, donc plus longue. Mais je me retrouve avec une vidéo qui est chargée à 34-38% le matin alors qu'elle a chargé toute la nuit. Alors il peut y avoir aussi des petits soucis de connexion à certains moments dans la nuit qui font que ça arrête la connexion, pas la connexion mais le chargement, et donc ça reste à 38% et je me retrouve avec des vidéos donc qui sont très très longues à charger. Donc voilà, et alors du coup je me retrouve à devoir faire des vidéos des fois un petit peu à la va-vite, etc. Donc ça devient compliqué pour moi. En plus mon métier évolue un petit peu, enfin bon, voilà, mon métier c'est toujours une possible évolution constante. C'est aussi pour ça que je l'aime, hein, mais voilà. Donc je me retrouve à devoir courir après le temps, et ça ne me plaît pas. Donc j'ai décidé de positionner les choses différemment sur ma chaîne. Donc il va y avoir quelques petits changements. Alors les changements, ça va être que je vais positionner mes tutos le mardi et le vendredi. Le mardi, ça sera un tuto scrap parce que je fais quand même beaucoup de scrap, carterie principalement, mais pas que, mais justement, je fais beaucoup de carterie, mais je voudrais aussi pouvoir me lancer sur des projets un peu plus longs, un peu plus complexes, et je n'y arrive pas parce qu'à chaque fois, il me faut prévoir les vidéos pour les jours qui suivent, etc. Et du coup, je ne me lance pas vraiment dans les gros projets. Là, je l'ai vu avec le projet pour l'anniversaire de mariage de mes parents. J'ai eu beaucoup de mal à tout gérer entre ce que j'avais à préparer pour eux, ce que j'avais à préparer pour ma chaîne YouTube, etc. J'adore vous retrouver tous les jours, hein, mais ça va plus être possible. Hein, voilà. Donc, le mardi, ça sera donc le scrap, mais ça, je l'ai dit. Le vendredi, ça sera tout le reste, c'est-à-dire polymère, ou bien pix média, mix média, pardon, ou bien résine, ou bien perle, ou bien autre. Voilà. Des tutos, les mardis et vendredis, ça sera des tutos. Mais voilà, je vais faire en sorte que toutes mes passions puissent être regroupées dans ces tutos. Voilà. Ensuite, le dimanche, mais pas forcément tous les dimanches, même si pour l'instant j'ai 2-3 vidéos qui sont dans les starting blocks, enfin qui sont pas loin d'être prêtes. Enfin, il faut encore que je fasse un peu de montage, mais ce sera plutôt des recettes de cuisine. Mais je vous le dis, ce sera pas forcément tous les dimanches. C'est-à-dire que là, je vais peut-être passer 3-4 dimanches à vous donner des recettes, mais il n'y en aura pas forcément chaque dimanche parce que je ne prends pas toujours la peine de filmer mes recettes. Parce que je n'ai pas non plus tout le temps envie de cuisiner, voilà, c'est des périodes, hein. Donc voilà, c'est moins plaisant pour moi que les autres loisirs créatifs, même si j'aime cuisiner, mais voilà, donc je veux pas que vous vous attendiez à une vidéo recette tous les dimanches systématiquement. Ça sera le dimanche quand il y en aura une, mais ce sera pas forcément, voilà. Pour ce qui est des hauls, je continuerai de tourner des hauls. Alors c'est vrai que pour le moment, je vais un petit peu lever le pied. Toujours en rapport avec mon boulot, donc pour l'instant je vais moins dépenser, mais pardon, quand j'irai faire mes achats Action ou ailleurs, je vous ferai un haul, il n'y a pas de souci, et ce haul je le filmerai, je le mettrai à charger, et dès qu'il sera chargé, je le mettrai en ligne. Voilà, ça, il n'y aura pas de jour précis, il n'y aura pas de. Voilà, ça reste assez libre. Pour ce qui est des concours, ça sera pareil, ce sera au moment prévu pour ça. C'est-à-dire que, par exemple, mon concours estival va partir à une date précise et va s'arrêter à une date précise. Donc, ma vidéo
pour vous le présenter sera la date de départ, etc. Voilà, et puis ce sera au fil du temps, selon toujours pareil, selon mes envies, mes souhaits, pour vous faire plaisir, etc. Tout ce qui est vlog, tout ce qui est partenariat, tout ce qui est vidéo MAF ou des choses comme ça, ben, ça sera selon les disponibilités. Comme vous l'avez vu là, depuis quelques temps, je n'ai pas fait de vidéo avec ma fille pour une raison toute simple, c'est qu'elle travaille, je travaille, et donc c'est compliqué de trouver des temps pour être toutes les deux. Et puis, il ne faut pas non plus que ça soit de l'obligation, donc voilà, on le fait selon nos envies, toujours pareil. Voilà, donc tout ça, ce sera ben, au fil du temps, ce sera les jours où il n'y a rien, bien sûr, parce qu'on ne va pas multiplier les vidéos certains jours et puis ne rien mettre les autres. Donc voilà, je pense que c'est une organisation qui, alors sur le moment c'est vrai que ça me chagrine de devoir me priver et vous priver d'une vidéo tous les jours, mais d'un autre côté je pense que ça va me faire du bien, et puis vous vous y retrouverez, vous saurez que tel jour il y a telle chose, tel autre jour il y a telle autre chose. Moi ça va me permettre aussi de mieux voir ce que vous préférez dans les vidéos que je vous propose. Et puis bon, ça va me permettre aussi de faire plus de polymères, je pense, parce que c'est vrai que la polymère, ça prend du temps, que ce soit pour créer ou aussi pour monter la vidéo, parce que c'est beaucoup plus complexe, c'est des vidéos qui se font en plusieurs temps, puisqu'il y a la partie cuisson, la partie deuxième cuisson, souvent la partie résinage, donc tout ça, après ce sont des vidéos qu'on met de côté, puis qu'on retrouve ou pas d'ailleurs, des fois c'est compliqué. Il faut aussi que je fasse du vide sur mon ordinateur, parce que des vidéos j'en ai à l'appel, donc il faut que je trie tout ça. Donc voilà, je vais mieux m'y retrouver, et je pense que vous y retrouverez mieux aussi. Voilà, j'espère que ces petits changements ne vous décevront pas, qu'au contraire ça vous fera plaisir. En tout cas, moi ça devenait nécessaire pour moi de le faire. Donc voilà, donc je récapitule, les mardis tuto scrap, les vendredis tuto autre, polymère, mix média, résine, perles, etc. Enfin, tout ce qui me passe par la tête, parce que vous le savez, j'aime bien toucher un peu à tout, et quand je découvre de nouvelles choses, j'aime bien le faire aussi. Voilà. Et après, donc les recettes le dimanche, mais pas systématiquement tous les dimanches. Les concours, quand j'en ai le désir, ou quand c'est prévu, et le reste, eh bien, au fil du temps. Voilà. Donc, vous aurez peut-être... certaines semaines, beaucoup de vidéos, c'est-à-dire autant de vidéos qu'en ce moment, et puis à d'autres semaines, beaucoup moins. Voilà. Mais il y aura une certitude, c'est les mardis et vendredis avec des tutos d'office. Voilà. J'espère que ces petits changements vous conviendront. En tout cas, je le fais pour mon bien déjà. Et puis je pense que ça sera bien pour tout le monde. Je vous fais des bisous, je vous invite donc à ne pas rater la vidéo de vendredi, ce sera du mix média. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, c'est le moment, abonnez-vous et n'oubliez pas la petite cloche. Et moi, je vous fais des bisous donc, et je vous dis à très vite, à vendredi.